Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui lundi, un beau soleil aussi, pour faire un petit tour, voir les arrivages chez Action. On se retrouve à l'intérieur. Alors on va commencer par le rayon loisirs créatifs. On a ce tapis de découpe. Ce tapis de découpe est aussi tapis de protection hein, quand vous manipulez de la colle pour ne pas salir votre table. Et je trouve ça assez pratique. Il est à 1,89€. C'est un format A3. Alors là on a des petits paquets. Des petits paquets de tissus en fait hein, de tissus avec diverses mosaïques, donc c'est des paquets apparemment de 140 pièces, donc 140 pièces, fait des petits paquets de 140 pièces. Et puis il y a pas mal de motifs en fait, il y a plusieurs couleurs et ils sont à 1,09€. Alors là je vous montre ces cadres noirs, c'est des cadres qui représentent des villes, c'est des cadres carrés qui font 38 sur 38. Alors il y a une personne qui m'avait demandé par rapport à la ville de New York. Alors je ne sais pas si c'était, je ne me souviens plus du commentaire, si c'était une toile ou alors si c'était un cadre. Alors si c'est une toile, il n'y en a pas. Par contre les cadres, il y a ceux-là à 4,99€. Alors en nouveauté dans les cadres, on a celui-là que je trouve super joli. Il a le contour doré et vous voyez, c'est des formes plutôt arrondies. Donc il fait 40 sur 50. Il existe également en blanc, en noir et en argenté. Et, mais en doré, il ressort bien, je trouve. Il est à 3,89€, hein, si c'est bien celui-là. Voilà, ça s'appelle le cadre Brooklyn. Hein. Le modèle, c'est Brooklyn. Mais ils le font également, regardez, en format 21-29-7 à 1,95€ et en petit format, en format moyen, c'est-à-dire 13 sur 18 à 99 centimes. Mais apparemment, ils le font encore en plus petit. Voilà, il est là, à 85 centimes. Donc pour toutes celles qui veulent se faire un joli mur de cadre sur les tons dorés, pourquoi pas ce modèle-là. En plus, il est vraiment pas cher. Alors, on a un coffret, là, un coffret de photophore dans une jolie boîte ronde. Alors, il est composé de 12 bougies chauffe-plat et puis d'un photophore à 4,99€. Alors il existe également, alors je vous ai montré noir, mais il existe en rose. Et alors ça c'est du bleu gris. Voilà, c'est du bleu gris. Les bougies sont plutôt violettes et bleues. Alors en rose, elles sont quelle couleur? Elles sont roses, violettes et une espèce de gris, d'un gris bleu. Mais ça peut être sympa. 4,99€. Alors dans les cadres, on a un retour de ces cadres. De ces jolis cadres, hein. Des cadres transparents avec le contour en doré et le pied il est comme ça. Ça peut être sympa hein. À 1,19€, mais on a également celui-là. Celui-là, hein, c'est un de mes préférés également. Alors ils le font en argenté, pailleté argenté ou pailleté doré. Les mesures c'est 18 sur 13, 1,48€. Alors là, je vous présente. De la mousse, c'est assez pratique hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Bon, moi j'utilise, j'essaye d'utiliser quand j'ai du polystyrène, quelque chose comme ça, mais quand on voit le prix 54 centimes, les 4 ronds comme ça, ils sont vraiment pas chers, ils font 8 cm ceux-là. Et sinon on a un rond comme ça. Alors moi ce que je recherche pour ma petite création, c'est plutôt un carré qui fait qui ferait 20 sur 20. Je pensais en voir ici, mais non, je pense que je vais devoir faire avec ça, peut-être. Ah ouais, il est vraiment petit. Non, je vais attendre alors. Voilà, donc les quatre petits sont à 54 centimes, et sinon le rond qui fait 22 cm de diamètre, il est à 82 centimes. Alors pour celles qui cherchent des bouquets de fleurs, hein, des bouquets de roses, hein, c'est super joli, hein. Oui c'est artificiel, mais tout de suite je trouve que ça donne la vie dans une pièce. Alors là ils font le bouquet, alors le bouquet il fait 14 roses et il est à 3,99€. Alors là je vous montre, c'est pas une nouveauté mais c'est un réassort hein. De ces tabourets, il y a fourrure ou velours, donc les deux sont à 9,95€ et il en reste encore pas mal.
Alors là, j'avais présenté la dernière fois ces films statiques. Alors, c'est des films statiques. Hein. Pour les vitres, ça donne, voilà, ça floute un peu la vitre. Et on m'a demandé si c'était de la colle ou un film statique. Ben, c'est un film statique. Hein. J'avais pas vu sur le nom en haut de la boîte. Donc voilà, ça s'adhère en fait en mettant un peu de d'eau en fait sur la vitre, et vous posez en fait votre film sur la vitre et vous laissez vous retirer les bulles en fait. Mais voilà, et c'est vrai que ce genre de film, au bout d'un moment ça se retire, hein. C'est pas comme la colle où c'est vraiment fixé. Bon, après faut voir après la qualité, mais voilà, 2,79€, pourquoi pas tester. Et il fait 58 cm sur 2 mètres. Alors ça, si c'est pratique, hein, c'est bon à savoir, hein, quand vous avez une moquette et vous voulez la fixer au sol, faire vous-même, alors pourquoi pas utiliser ce scotch double face, hein, spécial moquette, donc qui fait 10 mètres sur 50 mm, donc la largeur fait 50 mm, et il est à 1,36€. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté, parce que ça ne me dit rien du tout. On a ces balais où on met, en fait, alors ça s'appelle raclette vitre et pulvérisateur 2 en 1, il fait 1,04 m. En fait, vous mettez, je pensais que c'était plutôt pour les sols, mais non, c'est pour les vitres. Vous mettez votre produit et vous voyez, vous pouvez pchiter sur la vitre et nettoyer. Donc il y a la raclette et puis il y a la mousse, et il est à 5,95€. Alors ça, c'est, ça peut être pratique. Je vous les montre jamais, je passe toujours devant, mais c'est de ces tables à repasser. Je trouve ça assez j'ai trouvé assez joli en fait. Il y a pas mal de là il n'y en a plus beaucoup de modèles, mais sinon il y avait des modèles assez sympas avec carreaux de ciment. Alors celles-ci, elles sont à combien celles-là? Attendez, regardez, ils sont à 2,99€. Voilà, font 1,10 m sur 32. Aussi, on a cette poubelle pareille, hein. Je ne pense pas vous les montrer, pourtant je passe souvent devant, à 6,97€, hein. Elles sont hautes, hein. Elles sont comme ça. Alors, elles font combien? Elles font 50 litres, et il y a plusieurs couleurs, et elles sont à 6,97€. Pareil, ça j'ai jamais testé, mais c'est pas ceux-là. Voilà, c'est plutôt celles-là. Non, mais c'est les mêmes en fait. Hein. C'est juste qu'il y en a, elles sont vendues par plusieurs, puis c'est pas les mêmes marques. Et là, c'est Spargo. C'est des éponges, ce qu'on appelle les éponges magiques. Et donc là, il y a la marque Multi. Je pense que c'est la marque de chez Action. Elles sont vendues par 8 à 1,49€. Il y a plusieurs couleurs. Et celles-ci qui sont vendues par 5, et elles sont à 99 centimes. Et apparemment, elles sont quand même assez efficaces. Alors, vous êtes nombreuses à me demander des vidéos que sur les bacs de rangement chez Action. Alors, sachez qu'à Action, on a, tous les Actions d'ailleurs, il y a un grand rayon, de bacs de rangement. Donc, si vous venez à Action et vous cherchez un bac en particulier, je suis sûre à 90% que vous allez le trouver. Alors, il y a de tout, hein. Il y a par exemple celui-là. Alors celui-là qui fait 57 sur 39, il fait 60 litres à 6,99€. Et après, il y a ce modèle-là, ce genre-là, vous voyez. Alors cela, c'est ce que j'ai acheté moi pour mes enfants. Je crois qu'ils sont même un peu plus petits. On a ceux-là, vous voyez, avec le... Alors ça, c'est pratique. Hein. Ils sont à 4,99€. Pareil, ils sont grands, ils font 42 litres. Et ça, je trouve ça assez pratique pour ranger vraiment tous les jouets. Dans le même esprit, il y a ceux-là avec, pareil, les fermetures en volet comme ça. Et donc voilà, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo que sur ça. Et j'essaierai de la faire cette semaine parce que je trouve ça assez utile. Hein. Comme on m'a demandé par rapport à ces bacs de rangement pour mettre sous le lit, vous voyez, avec des roulettes, elles sont à 5€. Enfin, ils sont à 5,99€. Elle fait 78 sur 36, vous voyez, et la hauteur est 17 cm. Moi, j'ai pris également ce genre de rangement aussi pour le lit, en dessous des lits des enfants.
Et c'est là où ils mettent bah, toutes les chaussures, genre sandales, les choses qu'ils mettent pas tout le temps. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de. Vous voyez là, il y a plusieurs couleurs. Donc voilà, il y a pas mal hein, de choix au niveau des bacs. Il y a des tout petits. Il y a vraiment de tout petits. Il y a des moyens comme ça, vous voyez. En général, ils sont vendus avec les. Enfin, en général, ils sont vendus avec les couvercles. Donc si vous prenez un bac, n'oubliez pas de prendre les couvercles. Et regardez, il y en a même des tout petits. Hein, je pense à. Pas celles qui font des, je sais pas moi, qui des colliers de perles et qui ont besoin de rangement pour les perles. Il y a celles-ci qui sont à 32 centimes. Aussi, un indispensable, enfin pour moi, un indispensable, c'est ces tabourets marche-pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pratiques. Regardez, une fois que c'est déplié, une fois que c'est plié, ça se range très facilement. Et puis, bah pour celles qui sont petites comme moi, et qui ont besoin d'aller chercher des choses en haut du placard, bah c'est assez pratique. Et pour les enfants, moi aussi, j'ai une fille pareille, elle a son petit tabouret et à chaque fois qu'elle va se laver les mains, bah elle le prend. Et ceux-là, ils sont à 4,98 € et ils ont des couleurs assez sympas. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré les planches à repasser. Mais sachez qu'ici, il y a la housse pour la planche. Donc, si le motif ne vous plaît pas, vous pouvez retrouver des motifs qui sont ici. Donc, ça va quand même. Donc, ça correspond. Hein, j'ai regardé aux tailles de ce qui se vendent. Il y en a une à 2,59 €. Et il y en a une autre. Donc, elle est assez épaisse. Elle a trois couches à 4,99 €. Quelque chose aussi de pratique, c'est ces sacs. Vous voyez, quand vous lavez les chaussettes des enfants. Alors moi, je suis du genre les chaussettes pareilles. Une fois qu'ils sont pas, et ça, une fois qu'ils sont pas ensemble, après ça se perd. Je me retrouve avec des chaussettes, plusieurs chaussettes, sans la paire, enfin sans l'autre. Et ça, c'est le genre de truc pratique. Donc, vous voyez, vous séparez, vous mettez toutes les chaussettes des filles ou les chaussettes des garçons, des adultes, des enfants. Et bah, vous les mettez dans la machine à laver. Comme ça, vous êtes sûr, en les sortant, que vous n'allez pas perdre une chaussette. Et elles sont à 69 centimes. Ça, c'est vraiment le genre de choses que je trouve super utile. Alors ça, c'est un réassort, hein, je pense, ou une nouveauté, parce que je ne les avais pas vus la dernière fois. Bah, c'est des sacs, en fait, de rangement, sous vide. Ils sont vendus par deux. Donc, il y a un qui fait 130 sur 74 et l'autre qui fait 80 sur 50. Et ils sont à 2,39 €. Corde à linge enroulable. Alors ça peut être pratique, hein, pour celles qui sont... Moi, je pense beaucoup à celles qui sont en appartement et qui n'ont pas d'endroit pour mettre le linge, étendre le linge. Je dis ça parce que nous, on avait ce cas-là. On n'avait pas de balcon et on avait une tour qui se trimballait du salon, la salle à manger, dans les chambres. Alors, pourquoi pas mettre ça dans la salle de bain? Vous voyez, vous mettez votre linge. Puis en général, nous, la salle de bain, elle était toujours chaude. Donc, voilà, maximum 15 mètres. Et elle fait 2,99 €. C'est des cordes qui s'enroulent, en fait, tout simplement. Alors, petite nouveauté ici à Crépy. Je l'avais vu, je ne sais plus où, à Hirson ou peut-être à Valenciennes. On a cette brosse pour le visage. Alors ça, c'est super efficace. Hein. Ça vous évite à chaque fois de faire des gommages. Et c'est assez pratique. On a la partie silicone et on a la partie bah, brosse. Et elle est à 1,49 €. Alors, une nouveauté, c'est cette crème, en fait. Hein. Ça doit être l'équivalent de Vicks Vaporub. Vous voyez cette crème à base de menthe et d'eucalyptus hein, que vous mettez au niveau de votre poitrine pour vous aider à mieux respirer. Et bah ça, c'est une nouveauté parce que je n'avais pas vu en fait hein, ici. Je ne savais pas qu'ils vendaient ce genre de produit. Et ils sont à 99 centimes. Alors c'est Vaporub. Donc je pense que ça s'appelle comme ça. Je me souviens plus exactement de ce qu'on utilisait. Moi ça me rappelle vraiment, après je ne l'ai pas réutilisé, mais ça me rappelle vraiment quand on était petit, ma mère elle nous mettait ça avant de dormir. Et voilà, ça nous dégageait vraiment, vraiment le nez. Ça nous aidait à mieux respirer. Alors je regarde, c'est avec, voilà, avec de la menthe, menthol et eucalyptus. Alors ça aussi c'est une nouveauté, hein. C'est la première fois que je le vois ici, c'est des tapes de kiné. Et en fait alors là c'est pour la cheville,
Donc vous voyez au niveau du muscle, vous mettez ça, protège et corrige. Effet liftant du tap est favorable pour stimuler la circulation sanguine. S'utilise en cas de surcharge de cheville. Alors on a là pour la cheville, mais on a pour épaule et nuque. Voilà, cheville, épaule et nuque, je crois, il n'y a que ça. Et elles sont à 1,69€. Il y a 4 à 8 pièces. Donc je pense que quand là il y a 4 pièces. Ah, donc il y en a à 8 pièces. Donc il y en a encore un autre pour un autre endroit. Ah oui, pour le dos. Alors ça pareil, hein, c'est la première fois que je vois, soit ça y était depuis un moment mais je fais pas attention, ou voilà, c'est vraiment nouveau. C'est des élastiques en fait pour les petites, ou même pour les grands, mais c'est contre les poux. Donc ça doit contenir, un produit anti-poux. Et voilà, ça peut être, voilà, je sais pas si c'est efficace, mais en tout cas le concept est pas mal. Ouais, c'est marrant ça. Alors 69 centimes. Alors sachez qu'ici il y a également des bouillottes. Alors on a des bouillottes, vous voyez la bouillotte classique comme ça à 2,99€. Et on a celle-ci. Alors elle est plus douce, il y a de la moumoute en forme de petit lapin. Et elle est à 3,93€. Mais il y a également celle-ci. Ça c'est un coussin chauffant. C'est un coussin chauffant, bon, je pense qu'il faut poser sur radiateur, quelque chose comme ça. Et puis ça maintient la chaleur. Il est à 3,95€. Donc voilà, j'ai fini mon petit tour. Alors je vais juste vous montrer les réassorts de certains produits parce qu'on me les demande souvent. Donc ces plateaux, il en reste à 9,95€. On a ces grandes étagères à 8,79€. On a ces étagères là sur deux niveaux, hein, ça fait un peu style panier en noir ou en doré à 6,49€. Il reste encore pas mal de ces paniers. Vous voyez ces paniers, hein, il y a du gris et du beige, hein, sont super jolis. Voilà, on a ces lampes. Vous êtes nombreuses à me le demander en fait sur ma deuxième chaîne où est-ce que je les ai achetées et si on reste encore, mais regardez, il en reste encore pas mal. Voilà l'ancien modèle et le nouveau modèle. Faut que je trouve tous les deux jolis. Il reste encore ces lampes. Voilà, c'est un tour rapide hein, pour juste vous montrer les réassorts. Il reste encore ces plateaux. Sur deux niveaux, voilà ces plateaux comme ça, ceux-là, il reste quelques-uns de ceux-là, ils sont partis assez vite hein, ceux-là, hein. J'étais assez étonnée, comme c'était du déjà vu, je pensais pas qu'ils allaient faire fureur comme ça. Et on a ce photophore de 10 pièces. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.